12 juin, célébration du jour de la Russie. La Fédération de la Russie célèbre chaque 12 juin le jour de la Russie depuis 1990. 12 juin, date de l'adoption de la déclaration de la souveraineté d'État. Cette date marque un tournant décisif pour le peuple russe qui a choisi d'adopter les principes démocratiques, le respect des droits de l'homme et la suprématie des lois. Madagascar a également célébré le jour de la Russie à l'ambassade à Ivanji. Dans son discours, Son Excellence Monsieur Stanislav Akhmedov, ambassadeur de la Fédération de Russie, a souligné que cette fête symbolise une nouvelle ère. Le 12 juin 1990, date de l'adoption de la déclaration de la souveraineté d'État à la Russie, est une date mémorable dans l'histoire de la Russie contemporaine. Le destin a voulu qu'aujourd'hui nous célébrons ensemble cette fête nationale de la Fédération de Russie, le jour de la Russie, ici en Antananarivo, capitale de la grande île Madagascar. Ainsi, honorable invité, permettez-moi de vous saluer à la part des personnes illustres qui ont œuvré et qui œuvrent toujours pour le raffermissement des liens traditionnellement amicaux entre ma chère patrie et l'île géographiquement éloignée de la Russie, mais très près de votre pensée et de votre cœur. La ministre malgache des Affaires étrangères, Razavchim Arsoulal, a annoncé à cette occasion que le vice-ministre russe se rendra à Madagascar prochainement. Je me réjouis de la prochaine venue à Madagascar de Son Excellence M. Mikhail Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, chargé des Affaires africaines, qui, dans le cadre de sa tournée dans l'océan Indien, se rendra à Madagascar prochainement. Ces échanges de haut niveau permettront en effet de définir ensemble les projets de coopération et d'investissement qui présentent des intérêts communs. Plusieurs membres du gouvernement et autres personnalités ont rehaussé de leur présence cette célébration du jour de la Russie.